Que le week-end va être dur si on se laisse envahir par les hippies. Eh bien, bienvenue à toi, ami visiteur, venu t'égarer dans les contrées du shmup une fois de plus. On continue la balade dans les archives de Bulletland en explorant un nouveau titre. Enfin, nouveau, c'est un bien grand mot, puisque le pépère a un certain âge. Alors laissez-moi voir ça, Rome. Oui, 1998, ça nous fait quand même du 20 ans d'âge, ça. Et ce jeu est un shoot plus que jouable et recommandable, malgré qu'il n'ait pas inventé la poudre. Alors, pas inventé la poudre, pourquoi? Bah, je vais mettre le screen direct, parce que c'est déjà en train de merder. Derrière, vous pouvez entendre le chat, qui est tout à fait inquiet de m'entendre parler comme ça, avec la grosse voix. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Tu veux être dans le stream? Bien, ouais, ok. Bah, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le présenter à ma place. Parce qu'en plus, j'ai toujours mon petit rhume latent. Tu veux venir te rapprocher du micro? Ouais, voilà. Bah, tu vas commenter ce que je fais, ce sera plus simple. Hein, parce que je sens que ce stream est parti pour être dans une organisation, une limpidité, une fluidité que rarement j'aurais atteinte. Deuxième plantage même, le chat qui continue de commenter. Comment ça, t'avais prévu qu'il se planterait? Ouais, ok. Tu crois qu'il se plantera une troisième fois? Hein, mort. Non, mais. Ok. Ok, ma. Et ma, sinon, à part ma, tu peux dire pas. Parce que pas, c'est pas mal. Enfin bon, t'es en train de me pourrir mon stream, du coup, en live, hein, merci. Et tu te barres, tel le chat qui est venu faire sa merde et qui repart fièrement en se disant ils sont vraiment trop crédules, ces humains, vraiment, vraiment. Et donc, on se retrouve avec Stagger. Stagger, à ne pas confondre avec ta gueule de chat. Fallait que je la case absolument, celle-là, les circonstances. Et qui donc, je disais, est un 1941 Red and Like, qui est tout à fait jouable. Et vie! Un petit toussage plus loin, eh ben, on va observer dans le jeu ce qui se passe. Je vous résume avant quand même un peu la situation, vous allez voir que c'est rien d'autre qu'un Red'em 1941 like. On a le même principe de tir, plus la super méga bombe, mais aux joies, au bonheur, aux excitations intenses non dissimulées, il se trouve qu'on a. Oh bah tiens, je savais pas qu'il y avait une démo. Alors ça c'est légèrement inspiré de Toy Story, si vous m'avez dit, mais bon, c'était pas encore sorti à l'époque, c'était très 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 étrange. Donc Toy Story a complètement tout plagié sur ce jeu, vous le retiendrez les enfants. Donc A, et on peut garder appuyé. Et là, la colère céleste frappe. Et quand elle frappe, je vous garantis qu'elle ne déconne pas. Alors c'est assez rigolo parce que du coup, pendant tout le jeu, on est quand même face à des dilemmes. Et il faut savoir que dans les shmups, le temps c'est quelque chose de très rare et le dilemme c'est quelque chose qui prend du temps. Deux choses donc tout à fait incompatibles. Il va falloir à certains moments, moments, se retenir de tirer. Je sais, ça arrive souvent. Et juste pour charger cette damnée jauge de méga tir pour pouvoir nettoyer ce damné écran qui a tendance à se remplir un petit peu trop de nuisances inconfortables. Trop de grands mots dans beaucoup de phrases. Les images parlent beaucoup mieux. Feu! Alors on choisit son super-héros dès le démarrage. Pif, paf, pouf, et patapouf. Moi je dis que quelqu'un avec un P38 Lightning peut pas être mauvais. Alors un P38 Lightning, je vous invite à vous renseigner sur cet avion si vous aimez l'aviation. C'est un petit chef-d'œuvre passionnant de l'aviation, puisque en fait. Quand on regarde la partie technique de cet engin, il était étudié pour tout sauf voler quelque part. Parce que mettre deux queues sur un avion, bah, vous savez qu'à voir, ça ne s'est pas trop trop répandu par la suite. Oui, allez voir l'historique du P-38, c'est quand même quelque chose. Dis donc, hop, je gonfle ma jauge. Tel le pélican fier, la période des amours, et bim bam boum, dans sa gueule. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir quand même, parce que là je fais le malin, et c'est le gros problème du jeu, c'est sa lisibilité. Parce que quand je tire ma
fucking méga bombe, mon fucking avion est toujours exposé aux boulettes. Et donc, elle ne se cancelle pas. Ce qui veut dire clairement que, bah voilà, si on a une qui passe dans l'eau, je me la prends dans la figure. Ce qui est un poil dommage. Mais du coup, ça corse un peu la difficulté du jeu. Et il y a des moments où je vous garantis que la méga bombe, c'est qu'on vous fout dans la merde parce que... Voilà. Alors vous me direz, mais il est couillon à vouloir utiliser absolument son tir concentré alors qu'il a la vraie méga bombe sur le deuxième bouton. Oui, mais je suis de la vieille école et je suis un peu radin sur mon équipement. Je garde tout pour le méga boss, c'est bien connu. Car méga boss il va y avoir. Et mon bulletin de naissance, je vais probablement ravaler. Lave-la votre méga bombe, oh là là, vous avez vu l'efficacité, c'est minable. Moi je suis très désappointé. Ça s'appelle danse avec la mort. Alors eux, il faut leur tirer dans le buffet deux fois, 2000 fois quoi, j'ai jamais compris ça. Ils sont un peu costauds quand même. Je disais, vous êtes un peu costauds les gars, mais t'éloigne pas, faut que je parle encore plus fort. Et bam. J'ai tout mis à côté, et je me suis pris un pruneau, si ça c'est pas magnifique. Ça mériterait presque un replay si j'avais du montage. Allez, on crève les enfants, on crève. J'ai pas que ça à faire, moi. Eh oui, Evie. Evie, Evie, Evie. Oh, un petit avion de secours. Alors là, vous ne me voyez pas, Psyana. Il n'y a pas de retour de caméra. Alors, je vais me faire le boss après, je vous expliquerai la situation de casse là, en ce moment. Vu que... Notre ami Félin est toujours dans le périmètre et je vais rencontrer ce qu'il est en train de faire. Ce qu'elle est en train de faire, c'est un indice déjà. Et maintenant, beaucoup ont deviné la suite, sachant que dans l'année, il y a des périodes plus propices à la tendresse, au câlin et au fait de laisser aller ses hormones. Et donc là, il est en train de tenter une reproduction avec mes chaussettes sous le bureau, en fait. Qui ne marchera pas, je le dis tout de suite. Déjà, les chaussettes sont sales, même si elles ne sont pas de l'archer du sol, de chaise. Il est un peu long, mais là, c'est moi qui suis long. Et puis voilà, c'est technique, quoi. Comme désinguer ce boss qui ne veut pas crever, apparemment. Il a dû avoir, je sais pas, trop moins de Stanley Life dans un magasin de bricolage. C'est tragique. Mais mine de rien, mine de conneries, vous voyez que ce jeu, Stagger, est tout à fait jouable encore en 2018, c'est ça qui est bien délirant. Et le petit détail de cette histoire de super tir, qu'on peut se rajouter par-dessus les bombes en gardant le tir principal appuyé, c'est super bien prouvé. C'est ce qui le différencie des autres titres dont il s'est inspiré et dont il aurait pu être un simple clone sans trop de saveur. Je repars avec un tir plus pour. Ah oui, je suis mort. Ténor, c'est chouette. Ténor, c'est chouette, qui vient de quel film? C'est trop facile ça. Je resitue l'action. Par même, je sais les guerres déjà. Les bobos là. Non, je vous resitue rien du tout. Parce que ça me déconcentre. Alors là, on commence à voir de la bonne matrice de pattern. Hop, hop, hop. Le chat vient de se marier. Apparemment, mon chat est marié maintenant. Donc, ne faites plus vos candidatures, hein, c'est fini, c'est niqué, c'est gagné. On peut dire là, clairement, que c'est les klaxons qui vont déconcentrer, hein, si vous les avez dans le retour. C'est absolument insupportable, injuste, alors que j'allais faire un super play et que j'allais finir le jeu juste avec ce... Comme l'autre, il est arrivé par derrière, sans même klaxonner, sans même le clignotant, rien. Hop, et paf. D'accord. Paf, pastèque. You want to play paf, pastèque with me? Ok. Ça va mal se passer pour toi, mon ami, je te dis. Vite, go, et... On n'est pas chez... Puis on se connaît pas, de toute façon. Alors là, par rapport aux autres titres, quand même, vous voyez qu'il y a du bon pattern, hein.
Pas super compliqué, il y a beaucoup de place pour passer, mais si on se laisse déborder, les tirs en croix comme ça, là, au bout d'un moment, vous faites aïe ou quoi, j'ai mal. Le temps de charger le tir, on se prend des prunes sur la gueule. C'était le dilemme dont je vous parlais tout à l'heure. Que j'avais annoncé en préambule. Et là, je ne vois plus mon vaisseau, je ne vois plus mon avion dans cette purée de pixels. Elle est bombasse, hein. On va abréger la souffrance pour aller direct au prochain niveau, si c'est possible. Non, madame, ce n'est pas possible, insérez des pièces, bougez pas. Non! Maintenant, je n'ai pas tapé des sous! Alors, c'est peut-être pire qu'un mariage, hein, c'est un match de foot. Comment ça, je suis médisant? Bah oui, mais vous savez bien que les gens qui sont passionnés de foot ont un petit problème avec. La façon d'être expansif tout en respectant son environnement et les autres. Je vais pas rentrer là-dedans, je vais être vraiment super méchant. Continuons d'oxyre. Continuons d'oxyre sans aucun état d'âme. Donc ce stagger, pour revenir quand même au jeu et au fondamental du stream, il est parfaitement recommandable. Le gameplay vous procurera assez de sensations pour que ce soit accessible sans être trop facile. Et du coup, bah, ce sera toujours un plaisir d'y revenir, de mettre un petit coup de stick dedans. On va se calmer les enfants là-haut, je commence à en avoir marre. Là. Eh oui, je suis tolérant, mais vraiment. Je veux dire, on a du bégon, quoi. C'est le vert pour les trucs qui volent. Je vous rappelle que mon ému aussi est toujours accéléré par rapport à la vitesse d'origine de la borne, que je suis en train de digérer un pain au chocolat, ce qui explique certaines intonations un peu bizarres. Ou une chocolatine, ça dépend. Et je rentre dans le stream de toutes les polémiques aujourd'hui. La boule de Bélux. Meurs, saleté! Oups, oh. Non, je me casse, on est amis maintenant, c'est bon. Tu arrêtes. Ce tir ne me plaît pas particulièrement, il est un peu pâteau. Mais bon, il est très très efficace pour tout ce qui est au sol. Hop, on n'a pas besoin de se mettre dans l'axe. Si, dans l'axe des tirs, il fallait se mettre, ça c'est évident. Qu'est-ce que je me déçois des fois quand je joue? Bon, il faut dire, comme excuse, j'ai le fait que je viens de lancer la ROM, quoi. Je n'ai même pas fait un essai juste avant. J'ai fait le. Celui-là, tu as joué, tu vas t'en rappeler. Résultat, non. Non, je ne m'en rappelle pas en fait. J'ai complètement oublié les patterns, j'ai complètement oublié la tronche qu'avaient les boss. Lâche ce pied, mon chat, lâche ce pied, tu n'arriveras pas à tes objectifs. Non, le chat ne me déconcentre pas du tout. Mais alors, pas du tout, je suis parfaitement entraîné. De toute façon, j'ai fait des stages dans les commandos, donc c'est pas un chat qui va. Hein? Quand même. Pas exagéré. Attends, tirez. Je tire moi d'abord, après à toi. À toi, voilà. Maintenant, je te laisse tirer si tu veux. Donc, je recharge mon cousin. Et que je t'en remette une couche. Hein? Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Enfin, je vais te mettre une petite bombe dans ta tronche parce que je pense que t'as envie. Alors j'ai pas compris ce que c'était le truc intermédiaire qui n'est pas un tir qui descend à fond la caisse aussi. Alors, je te reconnais ça, mais tu as l'air d'insister. Lourdement. Ami Tonk, ta convivialité laisse à douter quand même. Hein. Il fut temps que tu nous routes. Alors, quel sujet polémique pourrais-je balancer le temps que je recharge mes réserves de carburant? En ce moment, on n'a pas grand-chose. Enfin, si, on a énormément de choses, mais c'est des choses sur lesquelles je ne vaut pas. Ne vaut pas. Il y a moyen d'être vraiment pas aimable du tout. Oula, alors, les enfants, si vous voyez des jets dans le ciel qui se déplacent de cette manière-là, changez de marque de cacao le matin. Vous allez avoir un problème. Vous avez peut-être pris un truc à vos parents qu'il fallait pas toucher. Parce que moi, très honnêtement, des trucs ailés qui arrivent à faire des petits arrêts aériens comme ça,
sorti du fabuleux Hawker arrière, qui d'ailleurs était une saloperie notoire à piloter, ben justement parce qu'il avait cette cuillère orientable qui lui permettait de faire du vol statique. Et oui, je vous ai dit dans mes streams en Cédric, c'est ça qui est bien avec les vieux, c'est que même avec des merdes, ils vont vous raconter des anecdotes, genre Higgins, on comparait, c'est un rigolo de cirque. Petit bonhomme. Et oui, toujours avec le tic, utiliser une phrase. Vous l'aurez compris, celui-là c'est fait. Hein. Là, la vitesse où ça tire, c'est pas très humain. Je vais pas faire ma victime, mais quand même. Je vais me concentrer, tout lui mettre dans la chocolatière. Hop, tiens, cadeau. Je vais me contenter de lui cancel ses tirs, parce qu'il m'a l'air très très énervé, cet appareil volant. Et avec mon petit tir, qui est copyright moi-même, piu-piu-piu, je sens que je vais passer un seul quart d'heure. Allez, on dégage les gars, là vous m'avez pas amusé du tout. Je voudrais autre chose qu'un pistolet à bouchon pour vous exterminer, parce que sinon ça va pas être possible. Et là on est en direct, on a des millions de spectateurs, y compris des Chinois. Bonjour à vous les amis chinois d'ailleurs. Vous qui allez racheter l'intégralité de la Terre, et ses dettes, hein, ça on évite de vous le dire quand même. Et ses emmerdements profonds aussi. C'est pas ce qui va manquer d'ailleurs. On s'est pas déjà vu de machin volant. Oh la vitesse. Je réitère aussi mon petit appel au secours si vous avez un moyen pour ralentir les émulations sans trop toucher au setup du PC, mais que ça peut se faire en un clic, je suis preneur parce que c'est souvent parfaitement chiant de jouer à un jeu qui est très bon comme celui-là, et oui, j'ai dit le mot très bon, et de se tartiner des passages un petit peu glorieux où, eh ben, la difficulté n'est pas tenue à la programmation originale du jeu, mais tout simplement en fait que l'émulation carbure à fond la caisse et que c'est pas du tout fair play. Il a deux crédits pour passer un machin et 4 tourelles quand même, c'est un poil cher payé. Assistante mouchoir, il va falloir que vous arriviez. Car je ne vais pas pouvoir finir ce stream. En allant chercher le bonus, si ça c'est pas un poil deg. Mais que ça un shoot qui ne fait pas un minimum rager. Hein? Je pose la question. Mouchoir. Et je ne résiste pas au plaisir de vous faire voir la suite du tableau, et là on laissera mourir les choses, hein, parce que je vais quand même pas tout vous spoiler. Stagger, 100% recommandable. Par contre, oui, je vous souhaite que votre émulation soit un peu moins speed, parce que là c'est... Je joue beaucoup sur le côté classique des patterns, en me disant ça va arriver par ce côté, ça va arriver par ce côté là. Histoire de me rassurer un peu et de nettoyer l'écran par anticipation. Anticipation, hein. On crève les enfants, on crève, non. Moi les power. Non. Mais file-moi le zag. C'est pas possible ça. Bon, il est temps d'utiliser ma grande colère plus puissante qui va faire que. D'un seul coup, d'un seul, je vais devenir un super player. Alors là, vous ne le voyez pas sur le retour non plus. Le chat est toujours en train de... Je sais pas quoi faire avec mon pied. Et là, j'ai fermé les yeux. Et je commence à méditer. Comme mon grand maître me l'a appris. Mon grand maître, dont je tairai le nom. Bien à toi, Michel Sardou. Et donc, je vais anéantir cette saloperie de tank qui n'a pas encore mis en route son deuxième pattern ultra mortel et dont la vitesse fulgurante va réduire à néant tous mes espoirs. Bah, pas tout de suite, mais ça ne serait pas vrai. Quoi, vous voulez voir le boss suivant? Eh bien, il faudra vous procurer Stagger. Stagger 1, c'était écrit sur le screen d'intro si je me rappelle bien. Ce qui laisse sous-entendre qu'il y avait peut-être un Stagger 2. Alors sur ça, j'avoue que je ne me suis pas encore renseigné, il est un petit peu tôt. Si un 2 il y a, c'est avec un grand plaisir que je vous le streamerai. Parce que si ça reste dans le même domaine de jouabilité, moi je dis c'est du tout bon. Et il n'y a aucune raison que les gens se retiennent et ne prennent pas le temps de découvrir cette petite merveille. Sur ce, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Si vous aimez la vidéo, les petits pouces, on partage, on s'abonne surtout.
Et on se retrouve pour un prochain stream qui parlera de tout sauf des ampoules à filaments. Ciao!